Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur The Rick and Spock. Aujourd'hui, nous allons nous parler afin de faire le débriefing de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se terminer au Cameroun. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais d'abord m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie tragiquement au stade Olympe et présenter mes condoléances à leur famille. Et j'aimerais par la suite féliciter le peuple camerounais pour s'être montré à la hauteur de l'événement, pour avoir fait de cette CAN une CAN mémorable, pour avoir participé à ce que la CAN puisse être une CAN qui rentrera dans les annales de l'histoire du football africain, pour avoir été présent au stade, pour avoir donné de la voix, pour avoir poussé les lions indomptables du Cameroun à aller au bout, même si ce soir est en demi-finale. La CAN s'est très bien passée, il y a eu les incidents malheureux que je viens d'évoquer et tout, mais dans l'ensemble, ça a été. Tout d'abord, nous avons eu 24 équipes africaines qui ont été au niveau, qui ont été au rendez-vous. On a bien vu dans cette CAN qu'il y avait plus de petites équipes, toutes les équipes se valaient, toutes les équipes. Jouer vraiment avec détermination, se donner la main, jouer avec le cœur. Il y avait l'amour du maillot, l'amour de la patrie, l'amour de la nation. Et on a vu dans cette CAN que les équipes qu'on considérait comme des petites équipes n'étaient pas des petites équipes parce qu'elles bousculaient les grandes équipes habituelles du continent. Elles ont su gagner des matchs quand il fallait gagner des matchs, elles ont su faire des matchs nuls lorsqu'il fallait faire des matchs nuls. Et ça, c'est tout à leur honneur et on ne peut que s'en réjouir et les féliciter. Tout d'abord, dans ces cas aussi, nous avons vu aussi un joueur qui s'est démarqué en la présence de Vincent Boubacar, qui a eu à inscrire 8 buts. Il n'était pas loin du record de buts inscrits par l'attaquant congolais qui avait marqué 9 buts dans le temps, l'attaquant du Congo Zaïre de l'époque. Donc, franchement, félicitations Vincent Boubacar parce que ce n'est pas une performance facile qu'il vient d'éditer. Mais il a vraiment, vraiment fait un grand, grand, grand job et on ne peut que lui dire merci pour ces belles choses qu'on a eu à observer durant cette CAN. Les Lions Indomptables ont été vraiment une très bonne équipe, ils ont vraiment bien joué. Les Lions Indomptables ont su faire des grandes, grandes choses dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions Indomptables ont maîtrisé leur sujet, ils étaient forts techniquement, tactiquement, et ils n'ont pas perdu contre l'Égypte. Hein. C'était un 0-0, ils ont juste été éliminés au tir au but. Ça a été aussi l'une des équipes qui était brillante dans cette Coupe d'Afrique. On va aussi parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait une très belle CAN et tout, mais c'est juste que la Côte d'Ivoire a été éliminée au tir au but aussi, sans perdre sur le terrain. Ils ont fait un 0-0, puis sur le penalty, ils ont perdu. Pour moi, la meilleure équipe du tournoi, pour moi, a été le Nigeria. Je vais parler du Nigeria et je vais après mettre le Sénégal parce que le Nigeria, pour moi, avait une vraie identité de jeu, un vrai collectif, une vraie équipe qui pouvait aller au bout de cette CAN pour la remporter. Même le Nigeria, pour moi, était favori pour gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais on a vu que les 3 premiers matchs qu'ils ont livrés dans leur poule, ils ont tout gagné, mais ça n'a pas suffi parce que quand on arrive aux éliminations directes, là, c'est là où ça compte le plus dans le football. Il faut être fort mentalement et solide défensivement pour pouvoir faire de grandes choses. Et pour moi, le Sénégal, au début de compétition, j'ai vu une équipe timide, une équipe qui a mis du temps à rentrer dans son sujet, une équipe qui a gagné son premier match vers la fin du match, je crois vers les 80 minutes, 80e minute, c'est là où ils ont marqué leur but penalty par l'entremise de Sadio Mané. Et au deuxième match, il n'a pas produit un beau jeu, ainsi de suite. Donc pour moi, le Sénégal, je ne les voyais pas gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, sincèrement, parce que pour moi, c'était le Nigeria qui devait l'emporter, le Sénégal peut-être deuxième, après le Cameroun, parce que je voyais le Cameroun gagner, mais pas le Sénégal. Donc c'était un peu ça, mais on va juste féliciter tout ce monde, tout ce beau monde, pour avoir produit un beau jeu. Pour moi, le meilleur gardien de la compétition, ça va être Gabaski. Il a été formidable, il a remplacé El Shenawy. Et depuis qu'il est rentré, le gars, il est infranchissable. C'est un mur, les gars. C'est un mur, Gabaski. Il est solide, il est bon. Oh là là. Sur les pénaltys, il arrête tout, il laisse rien passer, rien rentrer. Pour moi, ça a été l'homme déterminant de l'Égypte.
C'est lui qui a su les maintenir, c'est lui qui a su sauver son équipe, faire en sorte que son équipe ne s'incline jamais dans les parties. Et il emmène les équipes adverses au tir au but et il stoppe les pénalties. Donc c'était pour moi vraiment la révélation du tournoi. Pour moi, c'est Gabaski. Les supporters. Je trouve que l'ensemble des supporters des équipes qui ont été représentées à cette CAN ont vraiment, vraiment bien tenu leur rôle. Ils ont bien animé les stades, ils ont soutenu leur équipe. Ça a été un beau spectacle, ça a été une belle fête en fait. En général, l'ensemble, ce sont des belles fêtes qui ont été réalisées. Maintenant, nous allons parler de l'histoire des polémiques, comme quoi le stade était mauvais. On va dire qu'encore, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur cette CAN? Qu'il n'y avait pas d'eau, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, que les terrains étaient détériorés. Mais écoutez, les amis, oh, qu'il faisait trop chaud. Moi, j'ai une question simple pour vous, les gens. Nous sommes tous en Occident ici, là. Fait que chaque été, il fait toujours très, très chaud. Nous avons des étés, par exemple, moi, je suis au Québec. Chez nous, au Québec, chaque été, on frôle vraiment les 40 degrés. Des températures, il fait extrêmement chaud au Québec. En Europe, quand je prends par exemple un cas de l'Espagne, en étant en Espagne, il fait très chaud. Ce sont des chaleurs insupportables et des chaleurs secs. Elles ne sont même pas, bon, on va dire secs, c'est qu'il y a le vent, mais on va dire des chaleurs qui sont humides, où il y a de l'humidité et il n'y a même pas un petit vent qui passe et tout. Donc, c'est-à-dire quand ça s'asphyxie, on s'étouffe. Facilement comme ça. Et maintenant, vous avez parlé du Cameroun, que le Cameroun, il faisait chaud, que les conditions n'étaient pas là, que blablabla. Mais pour moi, toutes ces choses-là, je pense que c'était juste fait pour de la mauvaise foi parce que il fait chaud partout sur la Terre. On nous parle du changement climatique, on nous parle du réchauffement climatique, on nous parle des choses que la planète se détériore. Donc, je ne pense pas que le problème de vos échecs à la CAN ait été un problème de température. Je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas ça. Cherchez les excuses ailleurs, professionnalisez-vous, faites du mieux que vous pouviez pour jouer aux compétitions comme tous les autres. Parce que si le Sénégal a joué à 13h, le Sénégal joue à 14h, les autres équipes l'ont fait de même. Pourquoi vous n'étiez pas en mesure de vous adapter à ça? Non, il faut arrêter de trouver des excuses bidons pour dire que non, c'était la chaleur, c'était l'état de la pelouse, c'était des choses qui n'ont rien à voir du tout. Ça, ce sont des fausses excuses, ce sont des choses pour juste décrédibiliser l'organisation de la CAN, pour nous dire que le terrain était médiocre. Tout ce qu'on écoute tout le temps, c'est le terrain médiocre. Un terrain qui a été construit à plusieurs, à 300 milliards de francs CFA, voire plus. On sait qu'on va juste mettre de la pacotille à l'intérieur, les gazons ne vont pas être arrosés, les gazons vont être faits de mauvaise façon. Non, et les amis, arrêtez la mauvaise foi quand même. Nous aimons tous le soccer, tout rien n'est parfait en Occident. Et les polémiques comme quoi l'arbitre arrête vite un match. On en a vu aussi en Europe des arbitres qui arrêtent les matchs très vite, hein. Des arbitres corrompus qui ne vont pas au bout du match, en fait, qui arrêtent des choses, qui donnent des pénalties bizarres. Mais au moins, c'est quand elle a été réglementée, on a vu la VAR qui a été appliquée, on a vu les décisions de la VAR, des fautes qui, en Europe, on ne va pas donner un carton rouge, mais avec la VAR qui était là, ici, on a donné des cartons rouges aux gens, des gens jouant des territoires numériques très rapidement. En Europe, on voit comment les arbitres arbitrent, ils arbitrent comme s'ils étaient des rois. Ils arbitrent comme s'ils étaient plus importants que les joueurs, ils arbitrent comme s'ils étaient impunissables en fait. Mais à la CAN, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ces attitudes bizarres comme on voit les attitudes habituellement des arbitres, comment dirais-je, européens qui arbitrent très mal en fait, qui sont corrompus d'abord premièrement et qui arbitrent généralement pas bien du tout. Quand ils arbitrent, genre comme, comment dirais-je, t'es genre frustré parce que tu t'es dit, mais c'est quoi ces décisions litigieuses qui pouvaient être sifflées en faveur de telle équipe? Même la VAR, au lieu de voir la VAR, ils vont pas voir la VAR. Il faut d'abord qu'ils prennent tout leur temps, ils sortent leur carton. Et même des fois, quand on les appelle à la VAR, ils ne vont même pas chercher à vérifier parce qu'ils ont déjà pris leur décision. Et ça, vous appelez meilleur arbitrage en Europe, mais n'importe quoi, les amis. Donc, pour moi, ma part, encore une fois de plus, je suis pour personne. Je n'ai pas de parti pris, mais il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité, instant soit peu. L'arbitrage de la CAN a été bon. Si on va noter sur 100, je dirais que l'arbitrage à 80% a été réussi. Oui, il y a eu des petits trucs qui n'ont pas fonctionné, c'est vrai. Mais à 80%, l'arbitrage était bon. En Europe, quand il y a l'arbitrage, pour moi,
L'arbitrage est bon à 60% parce que les arbitres sont bizarres en Europe. Ils arbitrent très mal. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour moi, c'était vraiment une bonne canne. Et aujourd'hui, on a vu le Sénégal était consacré après tant d'années, tant de temps à batailler, à lutter. C'était vraiment bon et on peut que féliciter l'équipe nationale du Sénégal pour avoir gagné cette CAN, pour avoir su concrétiser ses actions, ses occasions de but, pour avoir résisté aux Égyptiens au tir au but. Parce que l'Égypte, c'est une grande nation de tir au but. Hein. Franchement, la plupart des Coupes d'Afrique, les Égyptiens ont gagné ces dernières années, se sont fait au tir au but. Ou bien, à part celle de peut-être 2008, hein, si je ne me trompe pas, avec Abou Treka, quand il avait marqué sur une faute de Rigo Bersang. Donc, Abou Treka, oui. Non, c'était, oui, Abou Treka et Zidane qui avaient marqué un truc comme ça, là. Ça, je crois que c'était 2008. Et je crois 2010, plus tard aussi, ils ont fait la même chose. Donc, l'Égypte, c'est une grande nation. Mais en 2006, ils ont gagné ce tir au but de leur finale. Et ça se voit que ce sont des tireurs professionnels de pénalty, les Égyptiens. Mais bon. Félicitations sénégalais au peuple sénégalais qui a poussé son équipe, qui se sont donné moyen de rêver. Et franchement, Sadio Mané, pour moi, il a fait une très 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 belle CAN. Même si pour moi, le meilleur joueur de la CAN reste Vincent Boubacar. Franchement, là, on ne peut rien dire là-dessus. Mais comme Aboubacar n'a pas remporté le trophée, je comprends que Sadio Mané ait eu à remporter le trophée de meilleur joueur de la CAN. C'est tout à son honneur et félicitations à Sadio Mané. Nous nous redonnons rendez-vous pour la prochaine CAN en 2023 en Côte d'Ivoire. Nous allons voir comment les Ivoiriens vont s'y prendre pour pouvoir organiser aussi une très bonne CAN de leur côté. Je fais confiance à la Côte d'Ivoire, je fais confiance aux autorités ivoiriennes, je fais confiance aux communautés, oui, à la au collectif, je crois Coca-Cola, hein, si je ne me trompe pas, à Coca-Cola qui va genre organiser cette CAN pour la Côte d'Ivoire. Franchement, félicitations à eux et on se donne les moyens pour revenir à la CAN l'année prochaine avec plus d'équipes, j'espère encore. Les 24 équipes encore représentées, mais des nouvelles nations qui vont être présentes aussi, j'espère. Et tout ce qu'on peut souhaiter pour la fin de l'aventure de cette CAN, c'est juste que on leur souhaite à eux tous beaucoup de bonheur et du courage, revenez fort encore pour les CAN à venir. Et aussi, j'aimerais féliciter encore plus particulièrement, comment dirais-je, l'équipe nationale du Comore, qui a eu à faire une très très belle CAN, malgré que ils ont été handicapés par l'absence d'un gardien de but. Mais ils ont bien le défenseur au but, qui a fait vraiment le travail et tout. Félicitations Comoriens, et vraiment bravo, bravo pour tous les Comoriens. Revenez à la CAN 2023, si vous pouvez vous qualifier à nouveau, revenez et soyez performants encore et allez encore plus loin que ça. Et voilà, dans l'ensemble, pour moi, cette CAN a été réussie. Je ne vois pas quelque chose qu'on puisse venir dire qui a entaché la CAN, à part les décès. Encore une fois de plus, paix à l'âme de tous ceux qui sont partis, nos condoléances à leur famille. Et tout ce qu'on peut juste dire et souhaiter, c'est bonne chance pour l'avenir et que le meilleur reste à venir. Et félicitations au peuple camerounais, encore une fois de plus, d'avoir rendu cet événement magnifique, d'avoir fait de cet événement un événement mémorable, un bel événement, une belle fête africaine. Encore une fois de plus, les Lions indomptables n'ont pas pu aller au bout, mais les Lions de la Teranga ont pu enfin gagner. Et ça restera la première CAN du Sénégal que le Sénégal ait remportée. Donc félicitations encore à ça, ça rend encore la saveur particulière. Et félicitations à Aliou Cissé, qui a su mener ses troupes jusqu'au bout, qui a donné du courage, qui a donné du peps à son équipe nationale. On ne peut que être heureux pour le peuple sénégalais. En tout cas, bien de choses à vous tous. Et si vous avez vraiment liké cette vidéo, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de commenter. Même si vous n'avez pas été d'accord, vous avez été d'accord avec mes analyses, commentez, mais le tout en restant toujours courtois, poli, c'est le plus important. Allez, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur The Rican Spoke et on se donne des nouvelles. Ciao, ciao.